Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Stranding avec l'épisode 14. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et c'est parti dans le monde des échoués. Souvenez-vous, on devait aller dans un ancien abri. Et à mon avis, il va y avoir pas mal d'échoués parce qu'il nous a dit clairement: sortez avec un maximum de grenades, vous allez en prendre plein la gueule. Donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. On va encore vivre une sacrée aventure. Allez, on est donc reparti dans notre abri. Je vous cache pas que ça sent pas bon. J'ai 4 grenades sur moi. Oui, j'ai compté, évidemment. Et on doit aller à 500 mètres. Sachant que, regardez le ciel. Il y a des échoués, hein. Il y a des échoués. Et plutôt 2 fois qu'une, il suffit de regarder aussi l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel qui veut dire pluie, n'est-ce pas? Ah, ça sent pas très bon, ça. Tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'équiper des grenades. C'est vraiment au cas où. Ok. ATH de l'équipement, changer de page. Utiliser flèche de droite pour faire apparaître la TH et appuyer sur R3 pour changer de page. En gros, si je fais ça, on voit mes grenades X2 et mes grenades hématiques que je vais prendre d'ailleurs de ce pas. Ok. Eh bien, allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons souffrir, mais je sais qu'on va y arriver. Eh oui. Dora l'exploratrice, n'hésitez pas à aller voir le film, il sortira bientôt au cinéma. Et pour le coup, ça c'est pas une blague. J'ai toujours pas d'échoué à l'horizon. Par contre, il commence à pleuvoir de plus en plus fort. Très bien, on a de la céramique. Bah oui, fait chier. Sam, tu sais qu'on va prendre notre part, mon petit pote. Tu sais qu'on va prendre notre part, comme d'habitude. Évidemment, comptez pas sur les autres pour mettre un like. Faites-le vous-même, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous comptez sur les autres, vous savez que bah, il se passera rien finalement. Il se passera rien. À part énormément de souffrance. Ok. On va essayer d'y aller sans. Oh là. Attends. Eh ben, hé, on a fait la moitié, j'ai envie de vous dire. Comment on dit dans le milieu? Psartek! Très bien. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Ah, mais faut rester appuyé sur quoi? Pas ouf leur menu, vraiment. Hideo Kojima, pourquoi t'as pas mis juste oui ou non en fait? Ok, c'est parti. Mais effectivement, terrain très glissant. Et je trace, hein. Écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de. D'échouer pour le coup. Moi, ça me va, hein. Bah voilà. Très très bien. Je sais. Pas de panique, s'il vous plaît. Très bien. Allez, on va au moins à l'abri. Ok. J'ai peur. Ok. Ok. Il est juste là. Ça devrait le faire. Ça me fait pas peur. Je l'ai pris. Ok.
Ok. J'ai extrêmement peur, putain. C'est bon. Je commence à maîtriser, mais j'ai extrêmement peur. Foutez-moi la paix. Ok. Oh la vache, on s'en est bien sorti. Ok, toujours avoir l'œil sur mon bras. Ok. Ouh là là. Il commence à faire chaud par ici, non? J'ai peur. Un gars là-bas. Ok. Attends, il bouge ou quoi maintenant? C'est quoi ce délire? Oh là là. Je me sens pas très très bien. Attendez. Et il fait chaud ici, non? Allez, go. Je reprends exactement le même chemin, rien à foutre. Ok. Salut, mon frérot. Alors, casier privé. Oh! Damn! Tout ce qu'il y a. Oh là là, c'est incroyable. Ok, on va essayer d'équilibrer. On va essayer de bien faire les choses. Là, on va pouvoir se régaler. Bon, on va déjà prendre le truc de bricolage. On adore le bricolage ici. Hop, ça, c'est fait, mon petit pote. Ok, récupérer la caisse à outils. Ça va pas être évident, cette connerie. Ensuite, bah écoutez, on va essayer de se mettre méga bien. On va peut-être prendre ça. Voilà, collier à choix multiple. On va prendre les deux M, hein. Soyons pas trop gourmands. Un peu de S. Un peu de S, s'il vous plaît. Est-ce que ça suffit? Ça me fait combien, ça, en tout? Ah, on est large, en vrai, hein. On est large. Laissez-moi calculer. En vrai, je peux prendre un XL. Ah, oh, ça sent pas bon, hein. La gourmandise. La gourmandise est un très vilain défaut. Ah, attendez. Ok, non, je peux pas. Ok, là, je peux. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Je peux même prendre encore un petit S, mais bon, on va pas créer trop de déséquilibre. Ok. Alors, bougez pas. Voilà, on va réorganiser tout cela. Allez, je peux prendre encore un petit S. On clôture ou pas? On clôture. Oh là là, le retour! Le retour va être fatal. Très bien. Eh ben écoutez, je prends portée sur le dos. J'aime pas trop ce qui va se passer, je sens pas. Je sens vraiment pas pour le coup. Mais bon. Attendez, laissez-moi regarder la map pour faire genre que je comprends. Ouais, je reconnais ça, c'est le caca. Ok. Je suis exactement mes traces. Ça devrait le faire. Ok. J'ai dit ça devrait le faire. Il y a des traces là-bas. Hein.
Ok. J'ai peur. Non. Oh, ça je savais pas. Hein. J'ai peur. Allez, récupère. Ça je savais pas, on m'a pas tenu au courant. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je provoque. Je provoque le démon, frérot. Désolé les gars, j'en peux plus là. Ok. J'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Je veux juste qu'on me foute la paix. C'est chaud mon gars. Un petit pipi? Non, pas du tout. On va se calmer. Non, qu'est-ce que je fais là? C'est ça que je veux. Ok, pas besoin. J'ai pas perdu assez de... 200. Ok, ça reprend. Oh, une carte mémoire. Ça. Si jamais vous tombez sur des cartes mémoire en cours de route, pensez à les déposer à l'aide du terminal le plus proche. D'accord. Qui sait quelle donnée rare et précieuse elle pourrait contenir. Votre contribution fera au moins un heureux, je vous le garantis. Faire une livraison, partager des données. Mais ça me plaît, ça. Allez, on s'en va. Quel plaisir. Quel plaisir, c'était chaud. En vrai, ouais, j'ai utilisé beaucoup de grenades. Ça me fait un peu, ça m'embête un peu. Je vais pas vous mentir que je suis un petit peu désabusé. Mais c'est pas grave, pas déçu quand même. L'important, c'est qu'on soit pas fait choper, finalement. Même si contenant endommagé. Non, attendez. Ça va le faire. J'arrive, je cours, je me raccroche à la vie. Regardez un petit peu tout ce qu'on a. C'est quand même plutôt pas trop mal. On va pas se plaindre. S'il vous plaît, soyons plutôt fiers. Par contre, je peux garder la résine pour la route. Hein. Je peux mettre ça pour la route en mode ça dégage. Hein. Après, construire les routes, ça va mettre un enfer. On approche de la destination. Ça va être un enfer. Ça va être extrêmement long, à mon avis. Bon. Alors... Très sympa le coup de le coup du centre commercial parce que tout était bas. Ça fait que quand t'as trop de cargaison, forcément, ça se casse un petit peu la gueule. Ah putain, mon squelette. Mon squelette, il a bientôt plus d'énergie et ça, c'est très embêtant. Il pleut aussi ici, c'est embêtant là, les gars. Il pleut partout chez vous. Ça serait bien que ça s'arrête un jour. Bon, on va lui ramener ça, il a intérêt à être heureux. Wow. Voilà. Allez, on lui redonne. Oh là 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 là. Vraiment de la chance que je sois sympa. Hein. Livraison. Quoi? Vous plaisantez? Vous êtes vraiment allé dans ce trois? Vous imaginez pas à quel point ça compte pour moi. Tous les souvenirs que me rappellent ces vieux outils. C'est le genre de choses qu'on peut pas remplacer par une imprimante chirale. Je pensais vous confier une mission impossible. Oh, c'est parfait! Attendez de voir les armes que je vais fabriquer avec ça. Sam Bridges, vous êtes incroyable. Merci.
Allez, mission complete. Un petit S, ça serait pas mal. Même si j'ai utilisé beaucoup de grenades et je m'en veux énormément, je vais pas vous mentir. S ou pas? Vous n'avez pas les bases. Ok, régal, hein. Oh, c'est tout. Un peu déçu. Le porteur le plus célèbre de... On ne saura jamais la suite, évidemment. Ça, c'est fait. Point de connexion. Regardez, regardez, regardez. Ça s'arrête plus. Non, ça s'arrête vraiment plus, pour le coup. Ça s'arrête toujours pas. Ça s'arrête encore. C'est impossible que ça s'arrête. Ok, putain, c'est quoi ce truc insane, mon pote? Vous avez reçu le titre de déménageur habile. Ben, y a pas de souci. Des informations concernant de nouveaux objets sont à présent disponibles. Vous pouvez désormais des contrats de lien 15. Oh là là, ça monte encore niveau 40. Non, mais là, par contre, ça va à des points. Déménageur expert, s'il vous plaît. De 15 à 20, voilà, mais tout monte là. Hein. Oh là là là, mais qu'est-ce que... Déménageur et d'élite, ça s'arrêtera jamais. c'est très bien. Oh là là, maître déménageur, mais qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Il y avait maître coq dans la vie qui te faisait un petit poulet. Je te raconte pas, à cure au micro-ondes. Mais là, il y a maître déménageur, mon gars. Allez, niveau 68, c'est très très bien. Vous savez, en toute honnêteté, Fragile et son équipe ne m'ont jamais causé de tort. Je leur suis même redevable. Mais s'ils se sont alliés avec Higgs, c'est qu'ils sont de la même trempe que lui, non? C'est comme si tous ces connards de terroristes se rassemblaient pour former une grande et belle famille. Le moment est peut-être venu d'en faire autant. Il reste peut-être de l'espoir, après tout. Du moins, s'il y a d'autres gens comme vous dans les UCA. L'union fait la force, non? Et une nouvelle Amérique par-dessus le marché. Connectez-moi au réseau qui râle. Voilà, une bonne chose. De fait, nouveau lien établi. Bricoleur. Bricoleur a fourni... Oh, un lance-bola. C'est quoi, ça? Ok, j'ai hâte de découvrir ça. Régale-moi, mon petit pote. Cette zone est désormais connectée. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Maintenant que vous veillez sur moi, c'est bien normal que je veille sur vous aussi. Donc, tant que vous maintenez la connexion, je vous fournirai mes meilleurs outils. Et tous ensemble, on vivra peut-être un peu plus. Au fait, regardez un peu ce que j'ai fabriqué. C'est un lance-bola. Avec ça, vous devriez être tranquille un petit moment. C'est une arme inoffensive, bien sûr. Je peux pas garantir qu'elle ne laissera pas de marque, mais ça, c'est leur problème. Si elle peut vous être utile, prenez-la. Ok, ça me plaît énormément, mais quel est le projet de ceci? Un lance-bola? C'est sûr que ça pourrait s'avérer utile. Tel quel, vous pouvez l'utiliser pour immobiliser les cibles humaines. Ah, bien. Mais si on remplace ces câbles par des liens issus de votre sang, ils pourraient même marcher sur les échoués. Ah, très bien. Allez-y. Essayez-le. Oui, 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 mon petit pote. Bien sûr qu'on va l'essayer. Eh ben, on a enfin une arme. Suspendre au porte-outil. Bah, bien sûr. Bien sûr, aucun souci. Très bon, ça. Très, très bon. On a un lance-bola. Vous avez fait votre part, à mon tour de faire la mienne. Ok, il est parti. Il est parti. Vous avez fait votre part. Ouais, je vais faire de même. Hop, il s'en va. Très bien, trois nouvelles commandes. Bon, je me pose des petites questions. Déjà, j'aimerais recharger tranquillement. J'ai envie de faire un truc, pour une fois en vrai. J'ai envie de faire un truc. Vous savez quoi? Oh, oh, oh. Ok, il pleut plus en plus. J'ai envie de faire un truc sympa. Excellent travail, Sam. Vous avez converti trois stations à notre cause. Les preppers sont bien connectés et le réseau chiral fonctionne mieux que jamais. Notre prochaine station sera un centre de distrib régional. Mais on en reparlera plus tard. Vous avez une mission prioritaire à effectuer. Une bavure à rattraper. Pardon ? La ville relais du lac nous a confié l'un de ses serveurs. Il faut que vous le récupériez. Il l'avait envoyé à réparer, mais au retour, des mules ont attaqué notre porteur. Sur ce serveur se trouvent des données de validation pour notre futur système de livraison.
Une fois en place, il exploitera le réseau chiral pour automatiser les livraisons. Pour nous, il est vital. Mais pour les mules, ça pourrait aussi bien être un grille-pain. Grille-pain qu'elle mettrait en pièces pour récupérer les cristaux Kiro et les métaux rares qu'il contient. Si on n'agit pas rapidement, le risque, c'est qu'on perde les données. Alors rejoignez vite le site de déchargement des mules, reprenez le serveur et ramenez-le à la ville relais du lac. Allez, c'est parti. Je vais créer cette commande dans le système. Je suis un sacré pigeon. Consultez vos menottes pour les détails. Oui, pas de soucis. On va tous souffrir énormément, j'ai hâte. J'ai envie de faire quelque chose de sympa. Où est le truc pour la route, là? Il est là, mon petit pote. Il est là, un autopaveur. Eh ben, écoutez, on va aller à l'autopaveur. Qu'est-ce qu'on a là? Boîte de stockage en ligne. Il y a un autre autopaveur ici. On va aller à cet autopaveur. Voilà, je le vois d'ici. Et vous savez quoi? Je vais monter... Waouh. Reste avec moi. Je vais monter de quoi recharger... Ouais, ça va être terrible ici. Très bien. Je vais créer... Tout simplement... Je vais créer non pas une boîte de stockage, mais un générateur. Ça me donne envie de... Ça me donne envie de faire plaisir à tout le monde. Allez, go. On va recharger un petit peu nos bras mécaniques, là. Enfin, nos jambes mécaniques, pour le coup. Et on va être très très bien. C'est loin. Ça met du temps. Et ben voilà! Allez, je suis rechargé! Et oubliez pas les likes, hein! Allez, on y va! Ça, je prends. On va tout mettre dans l'autopaveur. Oh, lance-bol de niveau 2! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tiens, qui voit l'âge? Ça va commencer à me plaire, ça. Ça va commencer à me plaire. On va tout mettre dans l'autopaveur déjà pour être un petit peu tranquille. Ça arrêtera le lance-câble. Alors, reconstruire des routes. Oh ouais, mais on va pas y arriver à ce train-là, frérot. Bah ouais, j'ai fait des matériaux. C'est parti, hein. Hop, au moins on est tranquille, hein. On est un petit peu débarrassé. Normalement, je devrais avoir une échelle et une ancre. Bon, ça devrait le faire. Allez, dégage, je te vois. Attendez, parce qu'il y a le lance-bola déjà de niveau 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, c'est un gars qui peut te lâcher ça au calme? On en est là, les gars? Attends. Frérot? Ouais, mais moi je prends, moi, mon pote. Moi je prends totalement. Comment c'est possible? Le lance-bola de niveau 2. Ok. Bah, suspendre aux porte-outils, hein, frérot. Hein. Voilà. Hein. Je sais pas du tout. Alors, attendez. Ah, mais j'ai bien un lance-bola de niveau 2. C'est incroyable. C'est incroyable de trouver ça comme ça. Ah, même le sol, si je puis me permettre. Ok, il y a un ancien là-bas. Il est tellement ancien que c'est devenu de la cendre, hein. Apparemment. Marchandises perdues, somnifères. On va tout prendre et on va faire la quête, évidemment. Ok. On va prendre les somnifères. Ça devrait le faire. Lance-câble, j'ai 24 liens. Je suis ok de ouf. Ok. Bah, on ira stocker le... Le lance-bola de niveau 1. C'est là qu'il faut que j'aille. Très bien. Très bien. Et là, c'est un pont. Parce qu'on est cuit, hein. Oh, ça commence. L'enfer commence. Je l'avais déjà pas vu. Et c'est donc ça, l'enfer. Ah ouais!
Ah ouais, 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 ils sont venus en fourgon. Préparez mon corps, les gars, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, tranquille, tranquille, les gars. Oh. Yo. Wouh, on n'y va pas. Rien ne sert de courir. À qui arrive à point? Ça ne veut rien dire. Hop, micro-cascade. Double micro-cascade, triple cascade. Et ben voilà. Ah mais il y en a vraiment partout en fait. Ok, on fait tout le tour, on va sur l'autre pont. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. 400 mètres à faire. On le refait. Depuis le départ, je suis parti recharger les batteries. Évidemment, je vous évite ces allers-retours intempestifs qui ne servent à rien. Et on recommence encore et encore. Il y a donc une mule par ici. Il y a des détecteurs partout. Ça, c'est les détecteurs. Je comprends toujours pas le projet. Utiliser les marchandises comme une arme. Quoi ? Trop bien ! Lancer les marchandises portables. Mais mec ! Grave stylé. Ok. Oh, ça commence, ça commence. Voilà. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc, vu que j'ai pas compris... Hop. On va la jouer à la Call of, mon pote. Allez, go. C'est quoi qui détecte quand t'es sur le pont? Mais en fait, c'est le pire pont du monde, ça, en vrai, non? C'est le pire pont du monde. Aucun projet à ça, si? Oh. Ouais, ils arrivent en cargo, hein, les gars. Hein. Bien, ça, hein. GG mentalité, hein. Ah ouais, ça va en haut du pont, en dessous, à gauche, à droite. Ah, je suis localisé à 8 km. On va passer par là à l'ancienne. Ça va les gars? Je prends ça. C'est votre mission pour être venu. Je prends ça. Ça va les gars? Vas-y hein. Allez les gars, venez hein. Venez tous hein les cow-boys hein. On va s'occuper de vous. Wesh! Il klaxonne et tout, ça le fout. Vous êtes comment? Ouais, vous allez me respecter, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein? Quoi? Ok, bon, en fait, faut se tailler très vite. Faut se tailler très très vite. Faut se tailler très 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 vite. Ok, vas-y, ça me fait pas peur.
Je la tente. On vit qu'une fois, les gars. Allez, viens, mon gars. Allez, viens. Je suis ton homme, t'es ma femme. Ok ? Ok, lui, c'est le pilote. Il est très fort. Ok. CCP, je récupère, mon pote. Merci. Allez, salut, les gars. Allez, salut, champion. Tout ce qu'il y a. Je suis mort dans le film. Allez, on arrête les conneries, là. Là, on arrête les conneries. Ok, ok. Je pense qu'on est bon. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas si bon que ça. Oh là là, je vais me gaver. Ok. Ok. Et de 1. Allez, les biatchs. Ok. Voilà, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Eh, tu sais quoi, serveur, je prends, mon pote. Bien sûr qu'on prend. On porte totalement sur le dos. Botte de mule, rien à foutre. Marchandises, album photo. Je prends sur le dos aussi. Des outils, des œuvres d'art. On adore l'art ici. On prend. Et marchandises perdues. Enfin. Embêtant. Embêtant. On prend plus alors. Ok. Et ben voilà. C'est fait. C'est fait à ma manière. C'est pas à la meilleure des façons. Je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est fait. J'ai envie de vous dire. C'est le principal. Je suis foutu. Hein. Le jour où j'ai plus de lien, j'ai plus rien. Allez, on se tire. Allez, salut les potes. Salut les potes, je m'envole. Hein. Ok, on a une échelle ici. Un gars là-haut. Très belle échelle. Très très belle échelle. Hop, c'est rien. Oh la vache. Oh la vache. Oh, très fort ça, ce que tu as fait. J'apprécie. Choqué, pas déçu de ton lancer, hein. Let's go, baby. Alors, hop, petite cascade. On adore les cascades. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Attendez, hein, je suis pas encore en lieu safe. Oh, je les ai ruinés, hein. Je les ai ruinés. Bien ça. Hop, micro-cascade. Je les ai éclatés. Que des rageux. Je suis épuisé à ce point. Oh, heureusement. Putain, ça tient bien, frère. Hein. Eh, une table. Je peux devenir une table. Oh, c'est incroyable. Bon, dans un sale état, certes, mais ça reste incroyable. Ouais, là, c'était en mode Call of Duty. Hein. Je vous le dis, ouais. C'était Call of Duty time. J'y suis allé pistolet, ça, dégage. Non, attends, frère. C'est pas vrai. Dites-moi en commentaire le meilleur moyen d'esquiver les radars au sol, parce que c'est un enfer, en fait. C'est littéralement ce qui me pourrit le plus. Dites-moi comment esquiver ça, et je vous ferai d'énormes bisous. N'oubliez pas le like aussi, évidemment. Voilà, on revient parmi nous. Incroyable, cette vidéo.
qui a duré plus longtemps que convenu d'ailleurs. Hein. Allez, on rentre. On rentre apporter tout ça. Et on se régale évidemment. Rassure-moi, j'ai bien l'objectif. Oui, aucun souci. Et ben voilà, n'oubliez pas de j'aime et de commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo pour livrer tout cela. J'ai gratté une échelle, j'ai gratté un CCP. Ça me va, le boulot a été fait. Très clairement, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et profitez un maximum de ces fêtes de fin d'année. A très vite, gros bisous à vous. Ciao, ciao. Oh, je commence à avoir mal partout. Et tu le dis au très bon moment, mon Sam.